peut décapoter avec on peut décapoter ouais. Si bah ouais, bah oui, vas-y, bah. C'est plus fun, je pense, non? Ah oui, c'est sympa. Ouais. Pas mal de froid, mais... tant qu'il pleut pas, de toute façon... Tu es déjà monté dans une... Pas du tout. La 430, non? Pas du tout. Alors bon, mon projet, c'est de m'acheter un buggy Segma F16, ouais. Je sais pas si tu connais. Segma. Voilà, donc je vais voir, j'attends, et c'est mon projet. D'accord. Voilà. J'ai fait des rallyes dans le temps, ouais. Dans les années 70, ouais, ouais. Cooper, toujours bien passionné de voitures. De voitures, ouais, tu vois. Voilà. Et j'ai pas les moyens de m'acheter une Ferrari, ça c'est sûr. Ah bah oui, mais ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose, c'est une taille au-dessus, ça. Donc si c'est donc le V8, c'est 490 chevaux, ouais. C'est la F430, mais non, t'en as 458. Une vitesse de pointe, ça... 300 sur le cadre, je crois. Ouais, ouais. Donc c'est une vitesse avec des palettes, quoi. Palette au volant, hein. Palette au volant. Je monte, ouais. Je descends. Tu descends à gauche, ok. Ouais. Et le CST, quand tu appuies sur le CST pendant quelques secondes, tu enlèves toutes les aides à conduite. D'accord. Là, c'est vraiment pour le circuit. Pour avoir un effet plus sportif. Ou des en contact plus sportif. T'as plus d'aide, ouais. Ouais, c'est bien. On est tranquille.
oui, c'est... Le freinage aussi. Ouais. Ben c'est sûr qu'il faut du freinage pour un véhicule de ce type-là. En fait. Non, mais je ne connaissais pas cette société-là. Ah, c'est tout nouveau. Nous, en fait, nous, la société, nous, avec mon copain Sébastien, on est indépendant. Ça fait plutôt des contenus de tarage. On présente, on travaille pour les grands constructeurs. D'accord. La présentation, etc. Oui. Et puis, sous la GT, ça a été monté. C'est un concept tout nouveau. Hein. Oui, oui, pas, oui. Tu as des structures de pilotage sur circuit. Sur circuit, ouais. Voilà, c'est pour faire découvrir des GT sur ce qui n'existait pas. D'accord. Et donc, ça permet voilà, aux gens de monter dans des voitures. Parce que maintenant, même sur les salons, tu peux monter dedans. Non, tu peux regarder quand c'est tout. Et là, bon, ça permet de s'installer, de monter dedans, etc. C'est sympa. Par contre, j'avais un concept sur Paris, là, au Champs-Élysées, là. Ouais. C'est 89 euros les 20 minutes aussi. Ouais. Par contre, là, tu prends le volant du véhicule. Enfin, pour rouler dans Paris. Ben voilà, c'est ça aussi. Hein. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Alors, j'en ai fait Henri, des Lamborghini aussi. Ah, c'est sûr que ça ne demanderait qu'à... Oh, ça va le refaire. Et tu es de la région, non? Non, pas du tout. Non, moi j'habite au sud de la France. Ah oui, d'accord. Je suis très loin de chez moi, là. Oui. J'habite Saint-Nazaire-sur-Mer, je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. C'est à côté de Toulon. Bon, peut-être. Non, je connais plus la région Languedoc-Roussillon. Ah d'accord, Montpellier, tout ça. Voilà, tout à fait. Bah après, si tu veux, t'as... Barcarès, Perpignan. Ah d'accord, ok. Voilà. Bah si tu veux, en gros, c'est tout à Marseille. Marseille, après Marseille, t'as Toulon. D'accord, voilà. D'accord. Bah si tu veux, moi j'ai beaucoup de passion. Hein. Bon, je te dis que j'ai fait des rallyes, le Bugatti maintenant, puis je voulais acheter quelque chose de plus puissant. Oui, oui. Et puis, moi j'ai la passion des cirques aussi, parce que c'est... J'ai beaucoup d'entrées dans le milieu du cirque, c'est moi qui organise. Oui. Dans les grands cirques, je te parle. Hein. C'est moi qui organise la mise des cirques à Longwy, sur la place d'Arche. Donc, je prends le cirque à Mar, Bouillotte, c'est cirque à côté. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de ramifications dans le milieu du cirque. D'accord. Je suis en retraite depuis 6 ans et voilà. Ça continue. Ça continue. Il faut. Quoi, ça arrive. Il faut. Tout ça. Bah, parce qu'après, tu commences à gagner. Ah, ouais, c'est fini, ça. Hein. Après, c'est la petite mort, ça. Il faut avoir des passions dans la vie. Ouais, et tant que tu peux les mettre à exécution, exactement. Bah, il faut les mettre. C'est exactement, c'est tout à fait ça. Ouais. Et le F7, il est fabriqué dans le nord de la France, à Douai, à Chypre. Et c'est quoi la motorisation dessus? C'est Kio 16S. Ah voilà. Seulement, comme tu as 560 kg, 0 à 100, 5 secondes. Et oui, c'est tout léger. 200 km/h. La puissance, c'est moto d'origine, la 16S? Moto d'origine, ouais. 104 chevaux. Avec la boîte. Boîte essentielle non, même pas. Boîte d'accord. Pas d'ABS. Ouais, y a rien. Pas d'assistance. Pas d'airbag. Boîte de route. Les routes directionnelles avant comme sur un gars. Bien sûr. Et je trouve ce concept pas mal. Enfin, c'est quand même 20 000 euros. Hein. Attends, je vais simplement un peu partir. Ouais. Bon, même si nous après on remonte. C'est 20 000 euros. 20 000 euros, ouais. Et on peut les monter soi-même, non, hein. Non, ils sont faits directement à l'usine. Alors la particularité, il n'y a pas de concession. Tu vas le chercher directement à l'usine. À l'usine. Donc ils te font visiter l'usine, la fabrication. Non, tu peux repartir avec. D'accord, tu repars avec. Hein. Tu mets tes plaques et tu repars avec. Hein. Super. Ça freine, hein, parce que, comme tu dis,
ça ferait. Oui. Si ça freinait pas, on serait mal. Hein. On serait très mal. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. On a déjà mis 2-3. Tout est relatif. Ouais, en fait, le ratio est pas vilain parce que sur la performance, on va dire 30 secondes, tu vas être à 12-13 en roulant normalement. Oui, Tu vas passer à 15-16 relativement rapidement si tu commences à accélérer. D'accord. Après, en conduite sportive, tu es à 24-25. Ouais. Le réservoir fait combien de litres? On a 80. Bah, le segment, il n'y a pas un gros réservoir, c'est pas si vite, hein, donc tu as une autonomie à peu près 350-400 km. Mais ça va, ils en vendent Ils en vendent beaucoup, ils en exportent pas mal. Ils font plusieurs modèles, ils font un 500 avec les moteurs de moto, et puis le 1600, le S16 avec la Tacticale, qui peut être amélioré encore. Intervenir sur le, comme c'est un moteur à injection, donc il y a des électroniques qui peuvent modifier l'électronique. Bien sûr. Donc modifier la suspension et l'état de paramètres. Mais bon, ceci dit, après, tu commences à monter dans les bruits. Et il y a des portes, tu peux l'avoir sans portes, tu peux l'avoir avec des portes papillons. Donc tu veux, alors les portes papillons, intérieur cuir rouge. Ah oui. C'est 20 000. Et ils sont où exactement, eux? Si tu as l'occasion, tu iras voir sur leur site, Segma, S-E-C-M-A, société d'études de construction mécanique. Au départ, ils travaillaient pour le secteur automobile en très dense et ils ont décidé un jour de lancer leur propre produit ludique, si tu veux, dont les bus. Mais c'est purement français, ça? C'est purement français. Tout est fabriqué en France, le moteur est français. Bien sûr. Les freins, ce sont les freins de la 206 Peugeot. Et tout le reste, c'est la conception de chez Segma. D'accord. Fabriqué directement chez eux. D'accord. Entreprise qui a à peu près 20 personnes. Voilà. Ça fait longtemps que ça existe, ça, c'est quoi? Ça fait à peu près. Le concept des bugies, c'est à peu près 5 ans. 5 ans, ah, oui. Mais avant, ça existait, c'est qu'ils travaillaient en sous-traitance. Voilà. Mais la fabrication des bugies, 5 ans à peu près. Ils ont eu un incendie il y a 2-3 ans. Ouais. Et ils ont bien dressé la pente. Ah, c'est bien. Alors, ils le font en rouge, ils le font en gris. Et moi, je le fais en rouge. Vraiment, le rouge, je trouve que c'est plus sportif. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai toujours été un passionné, puis déjà quand j'étais gamin, les voitures, comme tout gamin, les voitures d'époque, pratiquement. Bah, on va dire, ouais, c'est ça. On va faire une là. Voilà, c'est un moteur qui est par contre rempli de coffre, voilà, tu vois. Donc il a, tu vois, la coupe, bon, ça c'est Ferrari, on a beau faire, c'est plus Farina, enfin c'est plus brut Lamborghini hein. Actuel, dans le design, il est assez coupé à la serre, oui, voilà. Moi j'aime bien, mais ça m'était pas, donc Après, c'est vrai que les Ferrari sont très designées, sont très voluptueuses. Oui. Et donc, vous êtes là jusqu'à samedi, c'est ça, hein? On est là jusqu'à samedi, Autrement, la conception telle qu'elle est aujourd'hui, il y a d'autres modules Non. Non, à l'heure actuelle, dans ce village, j'étais
D'accord, des d'accord. Choses comme ça, quoi. Parce que toute l'infrastructure est toute neuve, tu vois, le camion est vraiment aux normes, tu vois, il est vraiment nickel, il peut tout faire. Oui, oui. Donc les voitures, vous les amenez dans le camion, là. Complètement. C'est ça, hein. Non, c'est bien, c'est... Ça permet à tout un chacun de... Voilà. Dans des boîtes de prestige, voilà. C'est l'enfant qui vient. C'est sûr, donc ça fait découvrir et puis c'est l'occasion, quoi. Oui. C'est sympa, c'est sympa. Oui, il n'y a pas tellement de remoudeur. Pas du tout. Non, t'as vu, c'est correct. C'est correct, hein. C'est correct. Ouais, ceci dit, je dis avec mon buggy, bon, je roule sans pare-brise, mais bon, j'ai un casque quand même. Oui. Donc je suis habitué, je roule pas tous les temps, s'il te plaît. C'est deux places. Deux places, ouais. Et c'est un moteur de moto, c'est un 500 cm3. Donc c'est pour ça que je vais évoluer avec autre chose. Et celui-là, c'est un buggy tout terrain, tandis que l'autre, c'est un buggy pour la route. Voilà. Et ça se revend d'occasion, il y a un marché, oui. Ça commence tout doucement, ouais. Il y a un marché d'occasion. Dans le sud de la France, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont été vendus dans le sud de la France, et puis sur internet. Ça, c'est, il fait beau, alors voilà. Oui, c'est des régions qui s'y prêtent, voilà. Et là, je m'en vais en vacances à l'île de Ré, ils font la location de Segma, mais les 500, pas le F16. D'accord. Ils ne peuvent pas laisser ce véhicule-là entre les mains de tout le monde, c'est trop puissant. Habituellement, quand je suis avec quelqu'un, je freine avec mon pied droit. Mais avec toi, je freine pas, tu vois. C'est la confiance s'est installée en peu de temps, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas pratique. C'est quand même une voiture qui reste pour une utilisation route. Oui. Après, suivant les options que tu peux avoir, je sais pas si tu pouvais les mettre dessus, mais c'est vrai que c'est pas pratique. C'est un peu lourd après. Quand il faut. Donc, le... Yeah.